Une fois qu'on a fini la soirée cinéma et la soirée resto, et ben on est allé à la maison parce qu'elle est venue chez moi, évidemment. On a fait la balama, la mala, comme ça, tu vois, là. Ouh, 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 comme ça, voilà. Mais comment tu lui as jamais parlé? C'est quoi les messages qu'il y a sur ton... Vas-y, qu'est-ce tu vas faire quoi? Vas-y, trace ta route. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Eh bien salut YouTube, c'est Reder, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, par la complicité d'un ami à moi, j'ai réussi à avoir des photos, le numéro d'une fille, le prénom d'une fille. Mais vous allez vite comprendre qui est cette fille. La fille, elle est en couple avec un mec, elle ne me connaît pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, elle est actuellement dans un parc assise sur un banc avec son copain, grâce aux informations que m'a donné mon ami. Et puis nous, en fait, on va aller gentiment aller voir ces deux personnes assises sur le banc. Et puis, on va se faire passer pour quelqu'un qui est en couple avec la fille devant le mec. Donc en fait, le but, ça va être de faire péter un plomb au mec et de casser leur couple. Évidemment, en fin de vidéo, on précisera que c'était une caméra cachée pour pas que ça aille plus loin et qu'on casse réellement leur couple. Mais le but, ça va être d'avoir de l'énervement du côté de son copain, des disputes, des cris, et puis de foutre la merde, quoi. En tout cas, moi, je vais vous laisser sur des belles images, un bon visionnage. J'espère que tout va bien se passer. J'espère que son mec, c'est pas trop énervé parce que je ne le connais pas du tout. Je vous invite à mettre un pouce bleu, vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais de très, très gros bisous. Bon visionnage, c'était Reder. Ciao. Mais je parce que je suis pas sorti avec lui hier. Parce que je suis sorti avec mes collègues, tout ça. Il m'a fait crise de jalousie. C'est un truc de fou. On dirait que c'est comme si c'est mon gars Joe, quoi. Il fait des crises de jalousie comme si c'était mon gars Joe, alors que c'est pas mon gars Joe, c'est juste un collègue. Mais je sais pas, il faut te laisser dans son église, il va... C'est incroyable, oh. Il fait des crises de jalousie juste parce que j'étais avec... Lisa ? C'est qui, frérot ? Lisa ? Putain, je t'ai cherché toute la nuit. Tu me réponds plus sur Snap, tu me réponds plus sur Instagram. Ça fait depuis hier que je cours dans les rues de Marseille pour pouvoir t'amener ton bouquet de fleurs. Ah putain, c'est ton collègue. Mais tu es qui? Mais frérot, c'est ma copine. Mais d'où c'est ta copine? Je te jure, une histoire d'amour de fou. Ça fait deux jours qu'on parle et tout. Hier, hein? Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Ça fait un an que je suis avec elle, c'est ma gadji. Attends, non, hier, c'est avec moi qu'elle était au cinéma. Hein. Pas avec toi. Hein? Tu comprends quoi, quoi? Toi, tu m'as dit que tu sortais pas hier. Je le connais pas. Bon. Comment il connaît ton prénom? Je sais pas. Oh, excuse-moi. Déjà, touche pas la casquette, frérot. Déjà, j'aimerais offrir un bouquet de fleurs à ma copine. Mais vas-y, garde-toi-le. Mais c'est pas un sapin, c'est un bouquet de fleurs. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, trace ta route. C'est ma gadji. Tiens. Mais vas-y, trace avec ton sapin. Oh, trace ta route, je t'ai dit quoi? C'est ma meuf. Mais d'où c'est ta meuf? C'est ma gadji, ça fait un an que je suis avec elle. Ah, donc tu me trompes, toi, en fait. Mais je t'ai jamais vu. Donc toi, tu me trompes, en fait. Donc. Moi, je me dis, on vit notre meilleure histoire d'amour. Hier, tu me promets un palace, tu me dis bébé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Hier, j'étais chez moi, dans mon lit, en train de dormir. C'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. J'étais où, alors? Ça, c'est pas vrai. Elle était avec moi au cinéma, elle est allée voir Avatar. Même que je peux te dire, on a mangé un McDo, elle a pris un double cheeseburger. Et elle m'a dit merci parce que c'est moi qui lui ai payé, évidemment, comme d'habitude. Les femmes sont des michetos. Et ta copine est une michto. Et en plus d'être une michto, elle te trompe avec moi. Voilà. Parce que figure-toi qu'une fois qu'on a fini la soirée cinéma et la soirée resto, eh ben on est allé à la maison parce qu'elle est venue chez moi, évidemment. On a fait la balama, la mala, comme ça, tu vois là. Ouh, 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 comme ça, voilà. Et après, ben, malheureusement. Madame, elle s'est évaporée. Et puis moi, ça fait depuis la nuit que je la cherche. Et j'ai enfin trouvé cet endroit auquel je ne m'y attendais pas du tout pour lui amener un bouquet de fleurs. Mais tu fais rien, toi? Mais je t'ai jamais trompé, je ne compte pas te tromper. Mais alors, comment il connaît ton prénom? Et pourquoi? Je sais pas, c'est un psychopathe d'où tu... Déjà, attends, pourquoi hier tu ne m'as pas envoyé de snap alors que tous les... Je dormais. Tu me prends prendre. Mais pas du tout. Bon, par contre, frérot, tu as vu, juste... bon, tu as l'air d'être un bon collègue à elle, mais j'aimerais juste, parce que hier on a passé une bonne soirée, elle et moi, et j'aimerais juste qu'on finisse de passer la soirée, elle et moi. Vas-y, lève-toi, vaut mieux pour toi. C'est ma gadji, frérot. C'est ta gadji? Bah, du coup, pour le coup, non, vu qu'elle t'a trompé. Et d'ailleurs, regarde, j'en ai même quelques preuves sur mon téléphone pour tout te montrer. Voilà, hop. C'est qui sur la photo là? Pas pour toi, quoi, ces photos ils sont sur Insta. Ah ouais, merde.
Attends, j'en ai peut-être d'autres. Et celle-là? Elle est aussi sur Insta, tu me prends prêt. Ah putain, merde, celle-là aussi est sur Insta. Fais chier. Attends, et si je vais dans écrit, là, là, comme ça? C'est avec qui la conversation, là? Mais tu es sérieuse? Je lui ai jamais parlé, je ne l'ai pas sur Snap. Mais tu es sérieuse? Alors c'est quoi ces messages? Tu peux arrêter avec ton téléphone? C'est quoi ces messages alors? Mais je sais pas d'où il est ça. Bon, ça suffit maintenant. Maintenant tu me laisses avec ma copine, frérot. Parce que moi quand je m'énerve, après je m'arrête plus. Je suis comme un dragon qui crache du feu, t'as vu? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Frérot, je suis avec ma copine. Vas-y, trace ta route avant que je t'arrache la bouche. Vas-y, casse-toi. Vas-y, je trace ma route. Trace ta route. Trace ma route. Ma route elle est là. Ouais, mais trace ta route. Attends, non, elle est là, putain. Mais trace ta route, vas-y. Non, attends, non. Je cherche ma route, je suis perdu un peu là. Et vous m'avez émoustouflié. Émoustouflier là, là je suis. Ah, mais du coup, tu veux pas ton bouquet du coup? Non, tu peux te le garder. Mais putain, mais hier on a passé la soirée ensemble et tout. Oh là là, là on est marre. C'est bon, on est marre. Vas-y, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Quand j'y pense, je me dis quoi? Mais comment tu lui as jamais parlé? C'est quoi les messages qu'il y a sur son téléphone? Mais comment tu sais pas d'où il est sort? Je sais pas. Comment tu sais pas d'où il est sort? Je sais pas. Bon frérot, maintenant tu as vu ça, je veux pas que ça te parte dans la tête, tu te casses de ma copine s'il te plaît. Parce que c'est ma copine, c'est la femme de ma vie. Tu veux quoi toi? Tu veux quoi? C'est la femme de ma vie. Tu veux quoi? Oh, écoute-moi bien toi, vas-y, viens. De quoi? Vas-y, viens. Non. Viens, qu'est-ce que ça, je vais te casser la tête. Vas-y, je vais t'en mettre une. Vas-y, viens. Mon amour, c'est un homme violent. C'est un homme violent. Viens. Mon amour, c'est un homme violent. Viens, Kécha. Pourquoi tu tournes? Viens. Je tourne en rond. Viens, Kécha. Pour tes. Vas-y, viens en face. En face? Viens en face de moi, vas-y. Vas-y. Tu vas faire quoi? 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 Frère, je voulais juste te dire que ta copine a te trompé. Tu vas faire quoi? Et toi? Oh, je vais t'insulter, toi. Vas-y, tu vas faire quoi? Vas-y, trace ta route. Ah, vas-y. Et toi? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, frère? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Qu'est-ce que tu fais? Oh! Viens là. C'est fini, grosse. Vas-y, viens là. Relève-toi. Lâche-moi, je t'en. Écoute-moi bien. Tu connais Alex? Tu connais Alex? Ouais, je le connais. Alex Priou, tu connais? Ouais, je le connais. Eh ben, c'est mon collègue, Alex Priou. Eh ben, ça fait quoi? Qu'est-ce que tu fais, Tagadi là? Je m'en bats les. Je t'explique, tu as vu, moi je fais des vidéos sur internet, tu as vu, parce que genre voilà, je fais des vidéos et il m'a mis en relation avec toi et ta copine pour que je vous fasse une petite blague et tout, parce que je sais que vous étiez là. Mais qu'est-ce que tu fais, frérot? Je m'en bats les. Mais vas-y, t'explique, déjà arrête de crier. Déjà, moi de base, j'arrive, je parle avec toi, frérot. Je suis tranquille avec toi. Je vais un peu chercher la merde pour rigoler, tout ça. Je vois que tu prends mal, je comptais te dire que t'es une blague. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu pousses ta copine comme ça? Je m'en bats les couilles. Mais arrête de dire t'en bats les couilles. Moi aussi, je vais te pousser, frère. Tu vas faire quoi? Ouais, moi aussi, je vais te pousser. Pourquoi tu pousses ta copine? Pourquoi je la touche? Pourquoi tu la touches? Je m'en bats les couilles, je la touche, ça fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, casse-toi. Casse-toi, je vais t'en mettre une. Vas-y, ça va, regarde-toi, tu vas voir. Vas-y, casse-toi. Gros fatigué. Ça fait combien de temps que tu es avec lui? Non, parce que moi, ça fait une blague. Ça fait un an que tu es avec lui, mais il te lève souvent avant dessus. Tout le temps, tous les jours. Tout le temps, c'est comme ça? Tiens, tu as l'air aux yeux, pourquoi tu as l'air aux yeux? Mais parce qu'il est tout le temps comme ça. Mais il est sérieux? Ben oui. Et tu restes avec un trou du cul comme ça? Mais je peux pas le quitter. Mais pourquoi tu peux pas le quitter? Parce qu'après, il va me tuer. Mais tu es sérieuse là? Mais moi, si tu veux, c'est vite fait. Hein. Moi, je vais le voir, moi, ton mec, je vais terminer avec lui. Hein. Toi, tu l'aimes au fond de toi ou tu te forces à rester avec lui? Ben, je me force. Tu te forces à rester avec lui? Oui. Clairement? Tu veux qu'on termine tout ça? Mais non, après ça va faire encore plus d'histoires et tout. Aïe, ah, vas-y, viens! Oh, viens! Viens! Ouais, vas-y, viens! Question. Oh, tu es une fou ce que tu fais à Tagadji, toi, tu pars comme ça? Question, qu'est-ce qu'il y a? Non, mais arrête. Question. Je dis pas. Qu'est-ce qu'il y a? Arrête. Frérot, écoute-moi bien. Elle, tu as vu, c'est terminé, tu la regardes même plus, frère. Tu la vois même plus, c'est bon? Ouais, vas-y. Bon, tu la vois même plus. Okay. C'est bon, terminé? Tu lèves la main dessus? Ça fait combien de temps que tu lèves la main dessus? Hein? Tu vas pas savoir. Ah, donc on est d'accord que tu lèves la main dessus? Tu vas pas savoir. Pleure pas, tranquille, pleure pas. Tu me rends pour une en fait. Tu vas pas savoir. Tu vas pas savoir. Il te lève souvent la main dessus? Tous les jours? Ouais, ça fait quoi? De quoi ça fait quoi? Ça fait quoi? Pleure pas, tranquille. Oh, vais comme tu rentres à Gadji, t'es sérieux ou quoi, mon frère? Et ça fait quoi? T'es sérieux ou quoi? T'as rien à dire. Vas-y, ferme ta.
m'appelle, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de lui parler, je lui parle. Regarde-moi bien dans les yeux. Tu vas faire quoi? Regarde-moi bien dans les yeux. Ouais, je te regarde, qu'est-ce qu'il y a? Trace ta route, trace ta route. Tu vas faire quoi? Je vais t'en mettre une dans la tête. Tu vas faire quoi? Je vais t'en mettre une dans la tête. Eh ben ça va, regarde, eh ben on va se revoir. Je vais t'en mettre une dans la tête. Eh ben ça va, on va se revoir. Mais attention à toi maintenant. Vérifie bien tes arrières, je te le dis. Moi je dois vérifier mes arrières. Ouais, je te le dis. Tu vas faire quoi? Tu vas voir. Tous les soirs je la trompe, je m'en balais. Tous les soirs tu la trompes? Tous les soirs je suis avec des gadis, je m'en balais. Et tu lui fais une crise parce que je suis en train d'arriver vers toi en te disant je sais pas quoi là? Je m'en balais. Une psychopathe dans ta tête. Je m'en balais, frérot. Maintenant c'est mon frère, maintenant tu te casses avec elle, tu as compris? Oh vas-y, casse-toi! Tu te calmes mon frère. Oh écoute-moi bien maintenant, écoute-moi bien maintenant. Oh, oh. Terminé, t'as vu? Je te taille. Non, tranquille, tranquille, tranquille. Écoute-moi bien maintenant, tu te lèves maintenant, lève-toi. Après, je rebouille et tu te casses, mais casse-toi. Casse-toi parce que je t'en remue. Je t'en remue. Je t'en remue, casse-toi, casse-toi. Casse-toi, gros fatigué. Viens-moi, viens-moi. Voilà, t'as vu, te lève la main dessus, moi aussi je vais lui lever la main dessus. Et bien voilà les amis, on se retrouve pour une petite outro. Ça ne s'est pas passé du tout comme c'était prévu. Je devais simplement faire un prank à la base, tuto contact que m'avait donné mon ami. Mais bon, du coup au final, ça partait d'une bonne blague. On s'est rendu compte au fil du prank que le mec en fait c'était une personne très très violente. Et on a Lisa qui est juste à côté, avec qui j'ai pu parler un petit peu avant de faire l'outro, qui m'a bien confirmé que ça faisait un bon moment qu'il lui levait la main dessus, qu'il était agressif avec elle, qu'il lui parlait mal. Donc en parlant avec elle, elle m'a confirmé qu'elle voulait bien porter plainte par rapport à cette personne parce qu'elle osait pas en parler à ses parents. Elle savait pas à qui le dire et puis j'ai envie de dire quelque part j'ai bien fait de faire ce prank, que du coup on s'est rendu compte de qui était vraiment la personne et on a peut-être rendu un service à Lisa. Alors je sais que ça va être douloureux au début parce que je sais pas si vraiment tu l'aimais ou pas. Voilà, au final elle l'aimait réellement. Mais bon, on va te sortir de cette galère là, ne t'inquiète pas. Donc moi je vous fais passer aussi un petit message à toutes ces femmes qui se font maltraiter, qui se font frapper et tout. Il faut en parler autour de vous, faut pas en avoir peur. La maltraitance c'est quelque chose qui existe depuis très 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 longtemps. Et puis il existe des trucs pour remédier à ça, c'est-à-dire qu'il y a des avocats, les jugements. Et vous inquiétez pas, s'il y a quoi que ce soit, il faut savoir se défendre comme il le faut. Voilà, en tout cas moi j'espère quand même que la vidéo elle vous aura plu. Je veux un maximum de commentaires pour la petite Lisa. Vous marquez force à Lisa dans les commentaires, comme ça au moins quand elle verra la vidéo elle sera contente de voir tout votre soutien. Moi je vous invite à aller voir la gif que je lui ai mis et il l'a mérité sur Instagram parce qu'elle sera en non censurée car YouTube n'accepte pas ce genre de violence. Merci YouTube. Et puis moi sinon je vous dis à samedi prochain pour une toute nouvelle vidéo. C'était Reder, ciao.